Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser ce très joli béret. Donc c'est un béret que j'ai fait pour aller avec le tour de cou pour bébé. Donc ce béret convient aux enfants de 6 à 12 mois. Après bien sûr ça dépend de, comment dire, du diamètre de la tête de l'enfant, mais en général voilà, nous avons 18 cm de hauteur total. Alors, vous allez voir, il est très simple à réaliser, très joli. Donc, j'ai utilisé le point fantaisie, le point feuille. Je vais vous le montrer ainsi. J'ai mis un pompon, mais ça, c'est facultatif. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, c'est en fonction de vos goûts. Donc, pour la réalisation, vous allez voir, c'est très facile. Je l'explique aussi dans la partie réalisation. Il faut, ce sont des multiples de 11. Donc, vous allez monter des multiples de 11 ou des divisibles de 11, comme vous voulez, plus 12 mailles, c'est-à-dire 6 mailles de chaque côté. Alors, vous pouvez l'agrandir et l'adapter à toutes les tailles sans aucun problème. Il vous suffit de rajouter 11 mailles à chaque fois. Donc là, c'est 89 mailles. Après, vous rajoutez à chaque fois 11 mailles pour obtenir une taille beaucoup plus grande. Après, il faut tenir en compte aussi que moi, j'ai utilisé une laine layette qui est assez fine. Donc, si vous tricotez avec une laine numéro 4, qui se tricote en 4, 4,5, en gardant les mêmes dimensions, vous pouvez éventuellement avoir un bonnet pour adultes, parce qu'il y a quand même 89 mailles. Donc en montant 89 mailles avec une laine plus épaisse et avec des aiguilles numéro 4,5, vous obtiendrez un résultat, je dirais même presque pour adultes. Éventuellement, il faudrait peut-être allonger un petit peu le haut ici. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé de la laine layette. J'ai rajouté un pompon. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à la réalisation. Bonjour les tricopines. Après avoir tricoté notre tour de cou, nous allons tricoter un bonnet pour bébé. Alors, c'est un bonnet qui va avoir un point fantaisie, le point feuille. Et pour cela, donc j'ai utilisé la même laine que mon tour de cou. Donc je sais pas, c'est une laine donc qui fait 148 cm pour 50 g, c'est de l'acrylique que je tricote donc dans un premier temps avec des aiguilles numéro 3 pardon. Et après, je vais tricoter avec des aiguilles 3,5. Donc, vous allez voir, il est assez simple à réaliser. Alors, comme je vous ai dit, le bord, je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3. Et le reste, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Donc, les Knight Pro de chez Prime. Alors, vous allez monter 89 mailles. Donc, vous pouvez l'agrandir, les tricopines, sans aucun problème. Donc, en choisissant une laine un peu plus épaisse qui se tricote en 4,5, par exemple en 4,5, vous pouvez avoir un résultat pour adulte. Là, c'est une laine qui est assez fine, donc je le fais pour un bébé. Donc, vous allez monter 89 mailles pour celui-ci. Si vous voulez l'agrandir, ce sont des multiples de 11, c'est-à-dire, vous allez répéter 11 plus 12. Donc, 11 mailles plus 12 mailles, c'est-à-dire 6 mailles de chaque côté. Voilà. Donc, alors, vous montez 89 mailles avec vos aiguilles numéro 3 et vous allez tricoter en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, pendant à peu près un petit peu plus de 3 cm. Vous pouvez très bien faire 4 cm si vous voulez le faire plus large. Voilà, moi j'ai un tout petit peu plus de 3 cm, on va dire 3 cm et demi. Nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons avoir besoin de plusieurs anneaux marqueurs. Alors, nous allons tricoter
6 mailles. À l'endroit, donc nous sommes sur l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis passée à mes aiguilles numéro 3,5. 6 mailles. Je vais placer un anneau marqueur. Je vais faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et je place un anneau marqueur. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles à l'endroit. Et je vais placer un autre anneau marqueur. Je vais faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je place un anneau marqueur. Et je vais tricoter encore 10 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je place un anneau marqueur. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je place un anneau marqueur. Si vous désirez les tricopines, vous pouvez bien sûr ne pas les placer. Les tricopines confirmées peuvent ne pas les mettre. Les débutantes peuvent très bien les mettre. C'est juste sur l'envers du travail, c'est pour nous faciliter. Parce que sur l'endroit, on tricote toujours à l'endroit et on fait des augmentations. Donc maintenant, on va tricoter encore 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je place un anneau marqueur. Je fais un jeté. Donc on répète toujours la même chose. 10 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Il est où mon jeté? Je place mon anneau marqueur et après je fais donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je place mon anneau marqueur. Et je vais tricoter 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je place un anneau marqueur. Et je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je place un anneau marqueur. Et je vais tricoter 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un anneau marqueur et je tricote 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je place un anneau marqueur et on termine avec 6 mailles à l'endroit. Regardez, moi je termine avec 5 mailles à l'endroit des tricopines. Ce n'est pas grave, regardez. Donc si vous êtes comme moi parce que vous avez mal compté au départ, vous tricotez votre dernière maille une fois, vous gardez votre maille sur votre aiguille et vous la tricotez une deuxième fois et maintenant vous avez 6 mailles sur votre aiguille. Maintenant, nous sommes sur l'envers et sur l'envers, nous allons tricoter
nos 6 mailles à l'endroit on glisse l'anneau marqueur et les 3 mailles que nous avons entre nos anneaux marqueurs ainsi que nos jetés, regardez, nous allons les tricoter à l'envers. Donc les jetés, on les tricote normalement de façon à obtenir des points ajourés. Je glisse mon anneau marqueur, je passe mon fil derrière et je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc nous sommes à notre deuxième rang, nous avons fait le premier rang. Le deuxième rang correspond à l'envers de notre travail. Voilà, je glisse l'anneau marqueur, je passe le fil face à moi et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Je vous montre encore une fois. Je passe mon fil derrière, 10 mailles à l'endroit. Je passe mon anneau marqueur, je passe ma laine face à moi et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, donc notre deuxième rang, c'est-à-dire les 3 mailles entre les anneaux marqueurs, vous allez les tricoter à l'envers et les autres, donc les 10 mailles entre les anneaux marqueurs là, on les tricote à l'endroit et les 3 mailles entre nos anneaux marqueurs, ici, on les tricote à l'envers jusqu'à la fin et vous terminez avec 6 mailles à l'endroit et on va se retrouver pour notre troisième rang sur l'endroit. Donc, le troisième rang, nous allons tricoter nos 6 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je tricote 10 mailles qui suivent, donc mes 10 mailles qui suivent à l'endroit. Je vous montre encore une fois. J'ai tricoté 10 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant vous allez continuer ainsi, donc 10 mailles à l'endroit, entre nos anneaux marqueurs, vous allez tricoter une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Vous allez glisser votre anneau marqueur, tricoter vos 10 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Et vous allez terminer votre troisième rang, donc avec 6 mailles à l'endroit. Le quatrième rang, on va le faire ensemble. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos 6 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter 5 mailles
à l'endroit. Donc une à l'envers, excusez-moi. 5 mailles à l'envers, donc une, notre jeté, ainsi, regardez, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 10 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, et vous allez terminer avec 6 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour notre cinquième rang. Donc le cinquième rang, nous sommes sur l'endroit. Je vous montre un petit peu le rendu. Alors, nos 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons tricoter. Donc, on glisse notre anneau marqueur. Nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc, ce que nous avons mis entre les anneaux marqueurs, c'est notre point fantaisie feuille des tricopines, regardez. Donc, on glisse notre anneau marqueur, on tricote nos 10 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire 10 mailles à l'endroit. Donc après, entre les anneaux marqueurs, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, et vous allez ainsi jusqu'à la fin du rang et vous terminez avec 6 mailles à l'endroit. Au 7e rang, vous allez, que je ne dise pas de bêtises, pardon, au 6e rang, vous allez être donc sur l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit et 7 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, donc entre les anneaux marqueurs ici, 7 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On va se retrouver au 7e rang. Notre 7e rang, et nous allons tricoter donc nos 6 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur, on tricote 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Je vous montre un peu le rendu. On glisse l'anneau marqueur, on tricote nos 10 mailles. Donc, les 10 mailles, ce sont les mailles qui séparent nos deux feuilles, qu'on met entre deux feuilles, donc une. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Vous allez terminer ainsi les tricopines. Donc, on glisse l'anneau marqueur, 10 mailles à l'endroit. Ici, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi et vous allez terminer donc avec 6 mailles à l'endroit. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers. 10 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et vous allez terminer avec 9 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour notre 9e rang. Le 9e rang, donc on tricote nos 6 mailles
on glisse notre anneau marqueur et maintenant nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc les tricopines, les anneaux marqueurs, si vous désirez les enlever, vous pouvez. Ça nous facilite comme nous, quand nous sommes sur l'envers du travail, comme nous devons tricoter à l'endroit et à l'envers. Donc ça nous permet de ne pas nous tromper, mais si vous désirez, vous pouvez ne pas les mettre. Donc, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Donc nous sommes à notre 9e rang. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 10 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Donc nous avons notre feuille qui commence à bien se former et on tricote nos 10 mailles. Vous allez continuer donc ce 9e rang ainsi. Vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, 4 mailles. Donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit et vous allez continuer ainsi et terminer le rang avec 6 mailles à l'endroit. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers et vous allez terminer votre rang avec 11 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit et on se retrouve à notre 11e rang. 11e rang, donc 6 mailles à l'endroit, 11e rang. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. On glisse notre anneau marqueur et on tricote nos 10 mailles à l'endroit. Donc, on glisse l'anneau marqueur, on tricote nos 5 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Donc 10 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Donc 10 mailles à l'endroit entre nos deux feuilles, nos deux points fantaisie. Vous allez continuer ainsi et terminer avec 6 mailles à l'endroit. Le 12e rang correspond à l'envers. Vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers et vous allez terminer votre rang avec 13 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit et on va se retrouver pour notre 13e rang. Donc, le 13e rang, regardez, nous avons notre feuille qui a commencé, qui s'est bien formée. Nous allons continuer. Alors, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. On glisse notre anneau marqueur et maintenant, nous allons tricoter 6 mailles encore à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, et on tricote 6 mailles à l'endroit. On glisse là nos marqueurs, on tricote 10 mailles à l'endroit, donc je vais vous montrer encore une fois. Donc 10 mailles à l'endroit, on glisse notre anneau marqueur et on va tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Vous allez continuer jusqu'à la fin du rang à tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc 10 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, et ainsi de suite, et vous terminez votre rang avec 6 mailles à l'endroit. Le 14e rang, c'est notre rang en vert, donc nous avons fait le 13e rang et là on fait le 14e rang. Le 14e rang, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. Alors, 15 mailles à l'envers. 10 mailles à l'endroit, 15 mailles à l'envers, ainsi de suite. Et vous allez terminer par 15 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour notre 15e rang. Au 15e rang, nous allons tricoter nos 6 mailles. Donc, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Et le 55e rang, on va prendre toutes nos mailles deux par deux. 2, 2, on va les tricoter 2 par 2. Donc, vous tricotez vos mailles deux par deux. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez rabattre toutes vos mailles et nous avons terminé pour notre bonnet. Vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit et ici, vous allez tricoter, que je ne dise pas de bêtises, 17 mailles à l'endroit, à l'envers. 6 mailles à l'endroit, 17 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 17 mailles à l'envers, jusqu'à la fin de votre rang. Vous terminez avec 17 mailles à l'endroit. Donc, vous terminez avec 17 mailles à l'envers, excusez-moi. Vous terminez avec 17 mailles à l'envers et vos 6 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour notre 17e rang. Pour le 17e rang, donc nous sommes sur l'endroit, je perds mes aiguilles, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. Ces mailles à l'endroit et maintenant nous allons tricoter. On glisse là nos marqueurs et maintenant nous tricotons 8 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 8 mailles à l'endroit. Vous allez continuer
ainsi. Donc, on glisse là nos marqueurs. On va tricoter 10 mailles à l'endroit. On glisse là nos marqueurs. 8 mailles à l'endroit. 1 jeté. 1 maille à l'endroit. 1 jeté. 8 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite. Et on termine notre rang avec 6 mailles à l'endroit. Le 18e rang, nous sommes sur l'envers. Et vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. 19 mailles à l'envers. 10 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers jusqu'à la fin et vous allez terminer votre rang avec 19 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit et on va se retrouver au 19e rang. Notre 19e rang, c'est notre dernier rang d'augmentation. Alors, nous allons tricoter donc nos 6 mailles. 3 4, 5, 6. On glisse là nos marqueurs et maintenant nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 9 mailles à l'endroit. 1 jeté, 1 maille à l'endroit. Un jeté et nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. Et 9. On glisse là nos marqueurs et on tricote 10 mailles à l'endroit. Alors, vous allez continuer ainsi votre 19e rang. Donc, voilà comment se présente notre feuille. Vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, 9 10 mailles à l'endroit, donc ce sont nos mailles ici, 9 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 9 mailles à l'endroit, 10 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 9 mailles à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et on termine notre rang avec 6 mailles à l'endroit. Le 20e rang, nous sommes sur l'envers. Et le 20e rang, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 21 mailles à l'envers. 10 mailles à l'endroit, 21 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi et terminer votre rang avec 21 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. On va se retrouver à notre 21e rang pour faire nos diminutions. Maintenant, nous sommes à notre 21e rang et ce 21e rang, donc à partir de maintenant, nous allons faire des diminutions afin de former la pointe de notre feuille. Alors, pour cela, on tricote toujours, donc on commence toujours par tricoter 6 mailles à l'endroit. Je glisse là nos marqueurs et maintenant regardez, ma première maille, je la prends comme pour la tricoter, je ne la tricote pas, je la repositionne, donc j'ai tourné ma maille et je prends deux mailles ensemble. Donc le fait de tourner, vous allez voir que nous allons avoir une jolie bordure et maintenant je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc si je ne me suis pas trompée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles à l'endroit. Alors les tricopines, qu'est-ce que j'allais dire? On ne fait plus d'augmentation. Et les deux dernières mailles, je les prends ensemble comme ceci. Donc, je tricote mes 10 mailles à l'endroit. Donc, les mailles que nous avons toujours tricotées, regardez, ici,
au point mousse, donc à l'endroit aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, leur nombre ne change pas. C'est seulement pour notre point fantaisie, notre point feuille, que nous faisons des diminutions. Regardez. Première maille, je la prends comme pour la tricoter, je la mets sur mon aiguille de droite. Regardez, je la remets comme ceci sur mon aiguille de gauche et je tricote deux mailles ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles à l'endroit et je prends deux mailles ensemble comme ceci. Vous allez continuer ce rang ainsi les tricopines, 10 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes à votre point fantaisie, regardez, deux mailles ensemble en retournant la première maille et les deux dernières mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit et vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 mailles à l'envers. 18 mailles à l'envers et vous allez continuer ainsi tout le long en tricotant vos 10 mailles à l'endroit et vos 18 mailles, il me semble, à l'envers. Et vous terminerez donc avec 18 mailles à l'envers et vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Et nous, on se retrouvera au 23e rang. Donc, je reprends pour vous dire que sur l'envers, ce n'est pas 18, mais 19 mailles que vous allez tricoter à l'envers. C'est-à-dire, quand vous avez... Donc là, je suis sur le 21e rang. Donc, je vous dis, j'ai mal compté les tricopines, je suis désolée. Donc, quand vous avez tricoté vos 10 mailles à l'endroit, une fois que vous avez tricoté vos 10 mailles à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur, vous tournez votre première maille comme ceci, vous la repositionnez sur votre aiguille de gauche, vous tricotez deux mailles ensemble. Maintenant, vous allez tricoter 1, 2, 3, 17 mailles normalement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles à l'endroit et on termine notre point fantaisie avec deux mailles ensemble comme ceci. Donc sur l'envers, ce n'est pas 18 mais 19 mailles à l'envers que vous allez tricoter. Donc ça va être 6 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers et ainsi de suite. Et vous terminez avec 19 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit, votre 22e rang. Donc, et moi je vous ai dit, on va se retrouver donc pour notre 23e rang. Le 23e rang. Alors, on fait exactement ce que nous avons fait. On va diminuer des mailles. Donc, je tricote mes 6 mailles, je glisse mon anneau marqueur, regardez. Je retire ma maille et je la repositionne. Donc, en fin de compte, cette maille, je la retourne et je prends deux mailles ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, normalement, je tricote 15 mailles. Et mes deux dernières mailles, je les prends ensemble comme ceci. Je glisse mon anneau marqueur, donc je tricote mes 10 mailles à l'endroit.
10 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, je prends ma maille, ma première maille, comme pour la tricoter, comme ceci. Regardez, je l'ai retiré de mon aiguille, il est de mon aiguille de gauche, il est sur mon aiguille de droite. Je repositionne sur mon aiguille de gauche et je prends les deux mailles ensemble. Je tricote 15 mailles à l'endroit, soit jusqu'à ce qu'il me reste mes deux mailles. Comme ceci. Et une fois qu'il me reste mes deux mailles, regardez, je les prends ensemble comme ceci. Vous allez terminer votre rang ainsi en tricotant. Donc vous glissez votre anneau marqueur et vous tricotez vos 10 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes à votre 24e rang, c'est notre rang en vert, vous allez vous retrouver. Donc vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit, 17 mailles à l'envers. 10 mailles à l'endroit, 17 mailles à l'envers. Jusqu'à la fin du rang, vous allez terminer avec 17 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver à notre 25e rang. Donc, notre 25e rang, on tricote nos 6 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, on retourne la première maille, on prend les deux mailles ensemble. Maintenant nous allons tricoter 13 mailles à l'endroit, et deux mailles ensemble, on glisse l'anneau marqueur et on va tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi le 25e rang. 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 15 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 15 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et nous, on va se retrouver à notre 27e rang. Le 27e rang, donc on fait exactement la même chose, on tricote nos mailles jusqu'à notre anneau marqueur, donc 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, et maintenant on fait, regardez, après l'anneau marqueur, on passe, on retourne notre première maille, on prend les deux ensemble, et maintenant on va tricoter normalement 11 mailles à l'endroit. Et 2 mailles ensemble. On glisse l'anneau marqueur et on tricote 10 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi le 27e rang. 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 11 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le 28e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers, et vous allez terminer votre rang avec 13 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit, et on va se retrouver au 29e rang. Alors, nous sommes à notre 29e rang, les tricopines, et je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite, vous aurez juste à prendre des notes. Maintenant, au 29e rang, vous allez tricoter vos 6 mailles, normalement à l'endroit. 2 mailles ensemble, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, et vous répétez ainsi jusqu'à la fin du rang, et vous terminez votre rang avec 6 mailles à l'endroit. Le 30e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit pour commencer, 11 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers jusqu'à la fin, et vous terminez donc avec 11 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Le 31e rang, vous êtes sur l'endroit, donc on tricote nos 6 mailles à l'endroit,
2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le 32e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous tricotez 6 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le 33e rang, nous sommes sur l'endroit. On tricote nos 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, et vous continuez 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de votre rang. Le 34e rang, nous sommes sur l'envers, et sur l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers jusqu'à la fin de votre rang. Donc vous terminez avec 7 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Le 35e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit, et sur l'endroit, donc nos 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le 36e rang, nous sommes sur l'envers, et sur l'envers, c'est 6 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de votre rang, et vous terminez bien sûr votre rang avec vos 6 mailles à l'endroit. Le 37e rang, vous allez tricoter vos 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de votre rang. Sur le rang envers, donc le 38e rang, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le 39e rang, c'est celui-ci et on va les faire ensemble. Donc, notre 39e rang, c'est donc nos 6 mailles à l'endroit, 'et maintenant, nous allons faire un surjet double. Pour cela, regardez, je retire ma première maille, je tricote les deux suivantes ensemble. Et la première maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille obtenue. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 10 mailles à l'endroit. Donc je vais vous montrer encore une fois. Alors les anneaux marqueurs, on les conserve, les tricotines, c'est juste quand nous sommes sur l'endroit, sur l'envers, que on en a le plus besoin. Donc je suis arrivée à mes 3 mailles de la pointe de ma feuille. Donc j'ai glissé mon anneau marqueur, la première maille je la glisse sur mon aiguille de gauche sans la tricoter. Les deux suivantes, je les tricote ensemble, et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. Donc j'ai fait un surjet double et je tricote 10 mailles à l'endroit. Vous allez terminer ainsi votre rang, donc notre 39e rang. Alors au 40e rang, ça va être, nous sommes sur l'envers, et ça va être 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers jusqu'à la fin de votre rang. Une fois que vous êtes donc au 41e rang, nous sommes sur l'endroit, et vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Au 42e rang, c'est votre rang envers, 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le 43e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. 44e rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 10 mailles, 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, ainsi de suite. Et vous allez répéter 8 fois cette opération.
Donc 44 vous allez faire jusqu'au rang 48 jusqu'au rang 48 ainsi à tricoter vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver au rang 49 et au rang 49 nous allons commencer à faire les diminutions pour former le haut de notre bonnet. Donc je vous montre, regardez ce que vous devez obtenir. Nous avons les points fantaisie comme ceci, donc c'est notre point feuille. Une fois que nous avons terminé nos 8 rangs, maintenant nous allons commencer à faire nos diminutions. Donc nous allons tricoter, donc nous sommes à notre 49e rang et nous allons tricoter maintenant 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Donc je glisse mon anneau marqueur, ma maille juste pour enlever mon anneau marqueur parce que maintenant regardez ce que nous allons faire. Donc on aurait dû enlever nos anneaux marqueurs au 48e rang. J'ai oublié de vous le dire, j'ai oublié de le faire aussi. Donc 5 mailles à l'endroit et maintenant je vais tricoter 3 mailles ensemble. Donc on commence les diminutions pour le sommet de la tête. Je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, je glisse mes mailles juste pour enlever les anneaux marqueurs parce que voilà. Et je prends 3 mailles ensemble. Et maintenant, vous allez continuer ainsi à tricoter. 8 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 8 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble et vous allez terminer votre rang avec 5 mailles à l'endroit. Donc j'enlève, je glisse mes mailles juste pour enlever les anneaux marqueurs. Je remets donc les mailles que j'ai glissées, mais ça c'est vraiment juste pour enlever les anneaux marqueurs. Et je prends mes 3 mailles ensemble. Et vous terminez votre rang ainsi. Une fois que vous êtes sur l'envers, votre 50e rang, vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers jusqu'au bout. Et nous, on va se retrouver à notre 51e rang. Je vous montre un petit peu le rendu. Alors, maintenant, nous allons tricoter 4 mailles. Donc, c'est notre 51e rang. 4 mailles à l'endroit. Et on va tricoter 3 mailles ensemble. Nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Et vous allez continuer ainsi, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Et vous terminez votre rang avec 4 mailles à l'endroit. Donc, le 52e rang, c'est notre rang envers et vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, 1 maille à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers et ainsi de suite. Et on va se retrouver, nous, à notre 53e rang pour faire notre dernière diminution. Nous avons presque terminé notre bonnet. Alors, maintenant, nous sommes donc à notre 53e rang et on va continuer à faire donc notre diminution exactement de la même façon. Et après, il nous reste encore 4 rangs à peu près et nous avons terminé. Donc, 3 mailles à l'endroit,
3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Vous terminez votre rang comme ceci, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, et vous terminez votre rang avec 3 mailles à l'endroit. Le 54e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et au 55e rang, nous allons encore faire des diminutions. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Et le 55e rang, on va prendre toutes nos mailles deux par deux. 2, 2, on va les tricoter 2 par 2. Donc, vous tricotez vos mailles 2 par 2. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez rabattre toutes vos mailles et nous avons terminé pour notre bonnet. Notre béret est terminé. Moi, j'ai mis un gros pompon. Vous pouvez ne pas le mettre si vous le désirez. Donc, mon bonnet, excusez-moi. Alors, c'est pour un enfant de 6 à 12 mois, normalement. Il fait 18 cm. De hauteur. Donc si vous voulez l'agrandir, les tricopines, il faut que vous rajoutiez à chaque fois 11 mailles. Moi j'ai fait, vous vous souvenez, 89 mailles. On a commencé avec 89 mailles. Vous pouvez commencer avec 99, 109, ainsi de suite pour l'agrandir. Et au niveau de la taille, vous faites votre point fantaisie, c'est-à-dire nos feuilles ici, vous faites exactement la même chose. Et à ce niveau-là, vous vous souvenez, on avait tricoté 8 rangs nos mailles normalement. Et cette partie-là, vous pouvez l'agrandir, c'est-à-dire au lieu de 8, vous pouvez faire 16 rangs de façon à agrandir votre bonnet, à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Donc voilà les tricopines, nous avons terminé. J'ai rajouté un pompon, c'est facultatif. Et voilà notre béret qui se présente ainsi, et je vous montre comme ceci aussi. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.